Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bon Nerd. Vous regardez l'émission La Bonne Pioche, l'émission durant laquelle nous nous adonnons au plaisir sans fin du jeu de société en excellente compagnie. La compagnie du jour, on va vous la présenter dans quelques instants. Juste avant ça, moi je vous annonce que nous allons jouer à King of Tokyo Monster Box, un jeu de Richard Garfield, le légendaire Richard Garfield, édité chez Yellow. En gros, nous allons interpréter des kaijus qui se mettent sur la gueule, sur la baie de Tokyo ou même à l'intérieur de la ville de Tokyo. On commence à jouer dans quelques instants. Juste avant ça, on vous présente nos invités. Salut à tous, je suis Tarsa, streameuse sur Twitch. Vous pouvez me retrouver presque tous les jours sur ma chaîne Tarsa TV, sur laquelle je parle de Disney et de jeux de société. Et en parallèle, je suis comédienne et chanteuse et entre autres activités, j'ai créé mon auto-entreprise d'animation pour enfants, principalement des anniversaires. Et vous avez toutes les informations sur tarsanime.fr. Et bonjour, je suis Théo Rivière, Théo Sacha sur Internet. Je suis auteur de jeux et j'ai également une chaîne Twitch où j'anime des matinales pour parler de game design et de création de jeux tous les mardis et les jeudis matins. À côté de ça, je crée des jeux, c'est mon activité principale. J'ai pas mal de jeux qui arrivent de ci, de là, un peu tout le temps. Et on peut me retrouver sur pas mal de réseaux sociaux où j'en parle et j'annonce quand les jeux arrivent. De retour sur le plateau de La Bonne Pioche. Merci Tarsa d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci à toi Théo également. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir à cette table. J'ai l'impression que vous avez tous les deux quelques parties à votre actif, tandis que moi, walou. Donc je vais découvrir. La chance du débutant va-t-elle m'accompagner? Nous le saurons à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, ça va être parti. Donc toi, tu as choisi d'interpréter Boogie Woogie. Exactement. Ça m'a fait penser à Oogie Boogie. De l'étrange Noël de Monsieur Jack, clairement. De Monsieur Jack, exactement. C'est la période. Un peu reclusu et tout. C'est la période. Moi, je suis un petit peu à la bourre. Je suis un peu resté bloqué sur Halloween. C'est la même. J'ai pris Pumpkin Jack. Et toi, tu as pris quelqu'un qui t'est accordé avec la couleur de ta chevelure. J'ai même pas fait exprès. C'est bien vu que tu ne l'avais pas fait exprès. C'était d'autant plus tout à ton honneur. Incroyable. Et donc, c'est Cyber Kitty tout à fait. Que tu interprètes. Et donc, c'est parti. On y va. Premier tour. Donc là, on est, si je ne me trompe pas, on est tous à l'extérieur de Tokyo. Exactement. Tout à fait. Et on a tous des personnages. On a déjà déterminé qui est-ce qui commençait. Il faut lancer les dés. On lance les dés. Ah oui, c'est celui qui met le plus de baffes. Allez, vas-y, je t'en prie, commence. Allez. J'en ai trois. Trois et beaucoup d'énergie. Ça va être. Je précise que nos persos n'ont pas de stats particulières. Ça va être coton. Ouais, on a pris un peu. C'est uniquement du choix esthétique. Exactement. Un magnifique zéro. Ah, voilà. Voilà qui présage d'une partie, d'une partie intéressante. Ok. Une baffe. Eh bien, écoute, tu vas commencer. Ouais. Et ensuite, on va dans le sens. Et ensuite, on tourne, exactement. Voilà, tout simplement. Donc, premier tour, il n'y a personne dans Tokyo. Donc, ça ne sert à rien de mettre des baffes, en fait. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, on va taper que celui qui n'est pas dans la même zone que nous. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on est dans la même zone, donc. Alors. Ça sert à rien que je garde mes baffes. Moi, je vais garder mon 3. Mm-hmm. Parce que je vais essayer d'avoir des points de. Pareil, là, t'as fait un lancer avec que des. Merci. Hein joli quand même. Un petit lancer. Voilà. Et du coup, ça sert. Et en plus, ça ne sert à rien, mais esthétiquement. Il y a une carte qui te fait gagner plein de points de victoire si tu fais ça. Tu fais que des dés différents. Et donc, ce healer, ça sert à rien. Donc, je le fais pas. Super. C'est fantastique, ça. Allez, donne-moi des 3. Super. Bon, alors. Bon tour. Du coup, je vais rentrer dans Tokyo. Voilà. Parce que le premier, enfin. T'étais dans le coin. Il va, et du coup, tu payes les Théo. Et oublie pas de gagner un point. Et je gagne un point, absolument, puisque je rentre dans Tokyo. C'est un petit point gagné, comme voilà. Si j'arrive à rester, je gagnerai 2 points. On va pas forcément être très agressif dès le départ. Alors, ça me plaît pas mal. L'énergie, c'est. T'es team énergie. Ouais, je suis team un peu boui-bouini, récupérer team des cartes. Récupérer des cartes. D'accord, ok. Moi, je suis team baffe, mais ok. Ah là là, regardez-le, celui-ci. Je suis pas un grand baffeur, je suis pacifique. Non, j'aime bien avoir les points de victoire. Bon, King of Tokyo, ça va pas trop avec. Bon, pas mal ça. Je vais prendre 4 énergies, donc 4 énergies. Cubes, et je ne vais rien acheter pour le moment. Allez. Bon, j'avoue que ce cerveau démesuré. Ça économise. Trop mignon. Énorme cerveau. Énorme cerveau. Que je souhaiterais posséder. C'est parti. Là, t'es bien sur tes deux, si jamais. Ouais, sur mes deux, ouais. Si t'es team, point de victoire. J'ai aussi décidé de me tarter. Non, moi, j'aime les points de victoire. Rare te tarter un moment, donc. Il va falloir. Ah, tu peux changer. Là, tu peux changer. Ouais, je vais relancer. Je peux garder mes trois. Ouais, mais du coup, ouais. Et relancer. Et c'est mon dernier lancer, là, on est d'accord. Ton dernier lancer. Allez.
C'est super. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Voilà. C'est super. Allez. Et t'as l'énergie, quand même. Je la garde quand même. Parce qu'à terme, en fait, on résout les dés qui sont fixés à la fin. D'accord. Donc, tu résous tout à la fin. Donc là, voilà. j'ai ça et ça. Okay. Donc, je te donne un petit cube. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Et t'as tes 3 points de victoire. Du coup, moi, je vais prendre 2 points. Cool. Hop. Parce que vous m'avez laissé dans Tokyo. Enfin, vous m'avez pas tapé. Et là, on va voir l'agressivité potentielle. Alors. Bon. Super, merci. Non, j'adore faire ce genre de jeu. Je vais vous taper, ma foi. D'accord. Je vais commencer à essayer de taper parce que du coup, moi. On est là déjà. Alors qu'il y avait 2 énergies, t'auras remarqué. Mais moi, je t'auras remarqué qu'elle aurait tout à fait pu dire. Non, mais c'est vrai que quand vous êtes dans Tokyo, bah, autant frapper les autres, vous tapez 2 joueurs. Bah oui. Je vais remettre une baffe. Bien entendu. Ah, tu gardes vraiment que les baffes, quoi. Donc, Est-ce que. Relance-le dedans. Relance-le. Allez. Non, mais en vrai, c'est un 3. En vrai, c'est un 3. Oui, mais ça, bon, c'est juste il pour était. Faire joli. Et j'aurai un lancer supplémentaire. Okay. Que dit la Fédé sur ce genre de point de règle ? Je serais une tricheuse. Allez. Du coup, je ne résous pas 1, 2, 3 parce que tout seul, en fait, vous ne marquez pas de points. Ouais. Et puis, bah, je vous mets 3 baffes. Alors, 3 baffes chacun. Parce que vous n'êtes pas dans ma zone. Ah ouais. 1, 2, 3. Ça va, encore 7 points de vie. Oui, oui, oui. Ça va. Un petit peu de marge. Ça peut aller très vite. Et vous pouvez vous soigner si vous n'êtes pas dans Tokyo. Ça compte pas. Non, je vais garder ces 3 là. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est cadeau, ça. Ça serait dur de ne pas les garder. Je comprends. Okay. T'arrives à faire des points de victoire sans être dans Tokyo. Tiens l'envie. Ouais. Oh, puis je fais une petite barre. Eh ben allez. Je voulais pas les mettre. Donc là, t'en mets à tout le monde ou t'en mets qu'à la personne qui est dans Tokyo? Tu fais quoi? Tous les deux. Parce que vous êtes ensemble là. Ouais, ok. Est-ce que tu restes à Tokyo ou est-ce que tu sors? Tu fais le mec pacifique. C'est le hasard. Moi, je voulais pas mettre des baffes. Mais là, elles étaient là, elles se sont présentées. Alors, comme j'ai 8 cœurs, moi, j'estime que c'est encore ok. Donc, je vais rester dans Tokyo, absolument. Parce que tu peux décider de sortir dès maintenant. Quand tu veux, dès que t'es tapé. Hors tour. Okay. En fait, à la fin, tu prends des baffes. Voilà, quand tu prends des baffes, on te dit ce que tu veux sortir, et dans ce cas, c'est celui qui t'a tapé qui entre. Ok, je vois. Je vais dépenser mes 5 petites énergies pour acheter comme prévu mon. Tiens, donc le vla avec son. Alors, qu'est-ce que ça te. Ça donne une relance supplémentaire. Donc, je vais donc tu lances 4 fois. Tout à fait. Monsieur joue le riche. C'est bien ça. Il restait un 9. Oh, très bonne carte. 7. Ah. Ouais. Vous atteignez. Si vous atteignez la mort, défaussez-vous de toutes vos cartes, perdez toutes vos étoiles, fuyez Tokyo, gagnez 10 cœurs et continuez à jouer. Ah, ok. Bah, t'es bien. Bah, là, c'est pas mal ça. Hop. Est-ce que je me soigne? T'es à combien? Je suis à 7. Écoute ton cœur et avise. Écoute ton cœur. Moi, honnêtement, je le ferai pas. Ouais, non, parce je vais relancer. Si tu les prends et que t'en refais. Ouais, je vais relancer. C'est un peu inutile. Je garde cette petite. Et 7, c'est pas non plus le danger. Tu veux me taper? C'est comme ça? Je sais. Oh eh ben allez. J'allais dire, tac, t'es bien puni, t'as pas trouvé deux, mais en plus, tu trouves un deux. Donc du coup, là, t'as 2 points. Ouais. Mais ça, ça te rajoute juste un point supplémentaire. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 4 points. Exactement. Et t'as 3. 2. Oui, 3 points, pardon. Et moi, toi, tu prends une tarte. Mais tu sais quoi? Je vais quand même rester dans tout ça. C'est vrai? Un petit peu de. Ok. On va du coup, je suis à 5 points de victoire, parce que je vais en prendre 2. 3. Commençant mon tour dans Tokyo. J'ai 3 points là. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Combien t'as de points de vie, Tarsa? 6. Ok. Ça t'intéresse? Bah, si, c'est un très bon lancer. Alors, je vais quand même prendre les 2 parce que là, franchement, sur BGA, j'aurais gardé les 3. Ah ouais? Pour tenter ma chance et tout. Ok. Et en fait, tu là. Aussi. Non, mais là, c'est une partie sérieuse. Donc, je garde les 2. Les enjeux sont importants. Exactement. Non, mais j'aime bien, ça joue avec panache, là. Ouais. Donc, ça, j'ai pas le droit, moi, de le garder. Non. Donc, je le prends pas. Parce que tu es dans Tokyo. Si j'ai bien retenu. Exactement. Tu as très bien retenu. Alors du coup, j'ai 3 points. Ouais. Comme toi. Ouais. Juste avant. Je passe à 8. Je ne suis pas soignée. Et je serre les fesses. Ouais, bah ouais. Tu te taper très bien. Alors, bon, avec absolument. Tu vois, aucune... je suis contente quand je vois qu'il a 3 points, je te tape pas. Le destin, on a voulu au fond. Ouais, ouais. Je pense que le destin est avec ton, ouais, avec ton alignement. Hein, c'est... Là, allez, un petit peu. Et toi, t'as combien de cœurs, pardon? J'en ai encore 7. Ouais, ça va. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre 3 points. Ok. Si c'est gagné, je vis. Et tu prends ton énergie. Ah oui, parce que c'est vrai, tu pouvais relancer une 4e fois là, si tu voulais. Je pourrais relancer une 4e fois, tout à fait. Mais ça te convient. Tu décides que. Est-ce que j'achète Métamorphose? Non, parce que ça ne me plaît pas trop. Et je suis pas trop mignon. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser n'importe quelle carte pouvoir en votre possession. Ah oui, et tu récupères le prix en énergie. Ok. Et là... trop mignon, gagner 1 point de victoire à la fin de votre tour si vous êtes le monstre qui avait le moins de points de victoire. J'ai pas été un très bon baffeur, je compte sur toi pour prendre le relais. Non, non, me baffe pas. Alors, Prends les 2. La petite voix, c'est sur le côté. Les 2, c'est pas si mal de prendre victoire. Les 2, c'est bien. Oui, mais de toute façon, je prends les 2. Je prends les 2. Tu prends l'énergie, du coup? Ouais, quelle vie. Oui, je prends l'énergie. D'accord.
Eh ben c'est beau ça. Internet 2. Ah, attends. Ah bah là, on est perdu. Hop. Internet 2 pour la route. Oh, bah voilà, allez, hop, on se soigne d'un petit point. Un petit cube. Hop, merci pour le cube, ça me fait 3 points. Je passe à 10. Ok. Ça va vite là, il va falloir. Ça va vite ici. T'as combien de points de cœur ? T'as combien de cœur ? J'ai 7 cœurs. Et toi, t'as combien de cœurs ? 8. Tu ne peux pas nous tuer sur ce. Vous êtes trop vivants, les gars. Désolé. Du coup, je recommence mes super jets. Je vais garder cette baffe. Bien sûr. Bien sûr. Cette baffe ? Ouais. Moi, les énergies, vous avez vu. Je suis con. Alors du coup, je vais gagner 2 petits cubes. Ouais. Et vous mettre 2 baffes. À chacun. Allez. 1 et 2, 5 points de vie, tout va bien. Je veux bien que tu mettes en 1 baffe. Je t'en mettrais bien 6 quand même. 1, ça serait sorti. 6, ce serait pas mal. Allez les chercher. J'ai tu vas chercher. J'ai fait un triple 3. Donc tu vas aller chercher. Je vais aller chercher. Tu vas faire ça. Non, prends des 3. Alors. Non, j'ai encore fait un 3. Ah là 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 là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non, bah, je comprends bien, évidemment. Les énergies, c'est bien, ça fait des trucs, ça. Ce 1 est vraiment nul. Cœur. Ah, est-ce que je prends ce cœur? Ouais, je pense que et je. Et là, là, t'as fini, là. Ouais. Non, il avait encore un lancé super. Je vais prendre donc 2 énergies, 3 points, ce qui me fait passer à 9. Ça va bien. Un petit cœur qui me fait passer à 6. Bon. Et attends, je vais dépenser 2 pour enlever ces 3 cartes qui ne me plaisent pas. Ah, tu. Et en mettre 3 nouvelles. Tu resets. Oh, le souffle Nova. Resets. Vos baffes blessent tous les autres monstres. Les ailes, ça, c'est pas trop mal. Tu peux dépenser 2 énergies pour éviter de perdre des cœurs. Peut-être que je vais commencer à recueillir des énergies du coup. Ça va servir. Mais ça s'achète avec 6 énergies déjà de base. C'est un peu cher. À chaque tour, prédateur sélectif, pas ouf. Ouais. Je vais garder mes 3 énergies pour plus tard, ça m'arrange. Allez. Je vais pas acheter cette GG. Le jeu veut vraiment qu'on fasse des points. Ouais, c'est ça, c'est destin, ça m'embête, parce que bon, j'aimerais bien commencer à tapouiller un peu, mais... C'est un jeu de bagarre et on est là, on fait des petits points. Oh, la paix soit avec nous quand même, là. Faisons des points. Ouf, si je fais 5-2, ça fait un truc ou pas? Ben non. Ah, c'est nul. T'as juste 2, 3, 4 points. Ok. Et une énergie qui ta petite énergie. Voilà. Alors attends, j'ai fait 4 points là. Oui. Ça te met à combien? À 13. Ah ouais, t'es au-dessus de moi quand même. Et toi? 9. Toi, t'es à 10. Ouais, mais là, tu vas... Ouais, 12, là, tu vas faire... J'ai déjà pris mes 2, là. Je suis là pour m'acheter des ailes quand même. C'est vrai que les ailes, c'est assez cool. Les ailes, c'est cool. Elles font plaisir, tu vois. Comme je peux pas me soigner... Je vais pas... Quand même le petit baf qui est resté dans... Voilà. Allez. Allez. Donc du coup, je vais prendre 3 énergies et je vous mets 2 points chacun. Je passe à 4. 4, ça commence à être un peu critique. Je passe à 5. Tu clignotes. Je clignote. Arrête de faire des triple 3. Je vais essayer, mais c'est le... Alors, bon. On va mettre un peu d'agressivité dans ce jeu quand même. Qu'est-ce que... Ah, il y a les ailes pour 6. Je vais essayer de les chercher aussi, en fait. Ça a l'air bien. Ah. Moi, c'est tampon tout ça. Je garderai ça. T'as combien de points de vie ? Carrément, 6. Je crois que j'ai un peu envie, mais en même temps, c'est un, ouais, c'est un peu greedy. Mais franchement, tu te heal de 2, tu me Je passe de à 6, je prends 2 petits cubes. Alors du coup, je te mets 2 baffes. Comme tu mets 2 baffes. Ça va sortir de Tokyo, je passe à 4, fin de tour, je vais décider de quitter Tokyo. Ouais. Moi, je suis obligé... Et tu prends un point d'y aller. Mon socle de rentrer. Et tu prends un point de victoire. Et je prends un point de victoire. Et maintenant, nous sommes dans la même équipe. Mon cher. J'aime bien ce jeu. Tous unis. J'aime bien ce jeu. Contre le chat. 3 cartes pour enlever ses ailes. Oh, ça vous plaît un peu trop, quoi. Ah oui, d'accord. Un peu cher, mais. Je pensais que ça allait être sympa. Ah, mais non, là, il y a vraiment eu un. Opportuniste. Tiens, c'est toi, c'est ça. Chaque fois qu'une carte énergie est révélée, vous pouvez l'acheter immédiatement. Ouais, t'as la primeur, tu vois. D'accord, ok. Sonde. Ah, ça, je l'aime bien. Après le dernier lancer de chaque adversaire, tu peux relancer un dé de ton choix dans le lancer de la personne. Donc tu casses des même triples. Même qui a été mis de côté et tout. Exactement. Ah ouais. Tu casses des triples, etc. Ça, ça a l'air pas mal, effectivement. C'est après le dernier lancer, hein, donc tu peux lui casser ses plans. Ok. Et une attaque acide qui est pas mal aussi, et t'ajoutes une baffe, c'est ça? Ouais. À ton résultat. Ok. Écoute, je vais acheter cette sonde psychique, effectivement. Ça a l'air assez Ah, bien. Tu peux l'acheter là maintenant tout de suite? Ouais. C'est la fin de son tour. Ah, c'est la fin de Tant que j'ai de l'énergie, je peux acheter. J'allais la prendre. Et on remplace par un monstre batterie. Lorsque vous achetez monstre batterie, placé 6 énergies de la banque dessus et au début de chacun de tes tours, tu vas transférer des énergies de cette carte vers la réserve et défausser cette carte lorsque tu transfères. De ton choix autant de ton. Tu peux donc transférer toutes tes énergies d'un coup. En fait, il en a 6. Il arrive avec 6 de la banque dessus. Ouais, ouais. Quand tu l'achètes, bah, toi, tu prends 2 à chaque fois. Sur lui. Deux par deux.
Ok, voilà. C'est deux par deux. Ouais. Mm-hmm. Ok. Les baffes, c'est fini, on n'en a plus besoin maintenant. Tu peux commencer à faire des petites baffes maintenant. Bah, c'est pas terrible, les baffes. Oui. Écoute. Ouais, j'ai plein de vie. Donc les points de victoire, c'est... T'as combien de life? J'en ai 5, donc je vais quand même le garder, ça. Ça a l'air bien, parce que je vais peut-être te laisser rentrer dans Tokyo. Pourquoi tu gardes des énergies? Mets des baffes. Bah... Écoute ton cœur, John. En même temps, non mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de cartes qui me... Le cœur est à gauche. Écoute ton cœur. Tu as l'opportunité. C'est moi. Non mais si, non mais elle a raison. C'est vrai que... Oui. Hop. Une baffe de plus, ça fait 3 baffes, ça va. Eh ben super. Alors, moi je récupère 2, donc je repasse à 7, c'est cool. Je vais te demander, grâce à ma sonde psychique, de relancer une de tes baffes. Ah. Bien sûr, bien sûr. Eh ben écoute, t'en prends que... Je vais prendre 4. 4, 4, 4. Ça se la raconte quand ça a une... T'as combien de points de vie? T'en as 7. Moi, j'en ai 7. Je crois que je vais sortir de Tokyo. Tu prends un point de victoire, du coup. Je prends un point de victoire. Je rentre dans ta... Hop. Et j'ai un passage express, tu vois. Je vais aller acheter... Bonjour, comment vas-tu? Ça va, il faut faire des baffes. Eh oui. Oh. Oh là là. Quelle queue. Je suis dans le viseur. Tu vas pas me sonder, hein? Non, bah... Ah bah non. Tu prends quoi? Oh. Mais pas les baffes, certainement pas, non. Ouh là là. Oh. Une énergie pour moi. Okay. Tu veux bien une énergie? Ouais, je vais pas te sonder, je te laisse. Et en fait, même... Là, je prends 4, là. Alors, dans l'ordre, tu prends 4. Ouais. Et dans l'ordre, je vais acheter cette attaque acide. Donc, t'as maintenant une baffe à chaque lancée. Ma foi. Tiens. Donc, je rends mes... Oh là là là. Bon, je vais pas rester bien longtemps dans Tokyo. Oh, c'est joli, je vais me marrer. Ceci dit, avec mon agressivité, je n'ai pas fait de cœur. Je clignote un peu. Est-ce que tu sors de Tokyo ou est-ce que tu restes dans Tokyo, Joe? Non, mais c'est à toi de jouer, là. Ouais, mais là, tu prends des baffes. Tu peux décider. Ah oui, je peux décider de sortir maintenant. Ouh, bah, ça sort de Tokyo. Ça sort de Tokyo, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Je suis à 3 cœurs, là. Mais j'en ai 4. Je vais pas rester, là. Expérience scientifique. Pendant votre phase d'acheter des cartes, on peut regarder secrètement la carte du dessus. Tu peux l'acheter. Oui, au cas où. C'est vrai. Bon. Et à 4, hein, c'est ça? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Oh. Ça commence pas mal. Tu vas pas faire ça? Ah bah écoute, si je peux me... Je parlerai plus jamais et tout, non, je serai triste. Attention, non. Non. Mec. Ah, regarde, ils sont là. Ah, il faudrait que je fasse des cœurs quand même, parce que autrement, c'est toi qui vas profiter. Ouais. Bon, bah c'est... Oh là là. Un petit lancer grâce à mon cerveau démesuré. Tu vas faire gagner le petit cœur. Okay. Okay. Bon, eh bien... Je te propose de prendre 4 baffes, boom, cher Tarsa. Boum, boum, boum. La mort. C'est la mort. Alors exactement. Attends, là, donc, la partie est terminée pour non, toi? Non, pour moi. Donc moi, je quitte fatalement Tokyo. Ouais. Et mon assassin entre dans Tokyo. Ouais, bien sûr. Prends un point de victoire. Ok. 11. Et je vous regarde. Et je me gosse. Ok. Alors... Attends, t'as combien de cœurs? Oh, combien pardon. De j'en ai 5. 5. Et toi, t'as combien de cœurs? 3. Il faut que je fasse des cœurs. Mais t'as 14 points, par contre. C'est beaucoup. J'ai 14 points, il faut que je fasse des cœurs, il faut que je me mette un peu à l'abri de... Ah, t'es bien avec les deux quand même aussi. Hein. Hop. Paf. Parce que là, du coup, t'as envie de survivre et de gagner au point. Ouais, il faut que... Moi, à ta place, je le ferai pas. Parce que tu veux pas de entrer taper, dans Tokyo. Tu veux dire? T'as pas envie d'entrer dans Tokyo. Non, 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 moi je vais pas entrer dans Tokyo, je voudrais récupérer les cœurs. Super. Ah, bon, écoute, j'ai... Tac, ça c'est bien au moins. Une petite énergie. Bon, par contre, il... Là, tu prends 3 points quand même. 3 points, ouais. C'est très bien. Hop. T'es à 17. 17. Donc, en fait, potentiellement, tu peux gagner à ton prochain lancer. Si je... Tu fais des 3. Mais il te reste 5 cœurs, c'est ça? Non, il me reste 3. Oh ouais, ouais, c'est compliqué. Peu. Moi, j'ai gagné 2 points au début de mon tour. Ouais. T'es à combien? 14. 2 victoires. Je vais essayer de faire 3 baffes, du coup. Petite course contre la montre, là. Ouais, voilà, faut essayer de faire 3 baffes. Bon, tu joues 4 fois, ce qui est... Ouf. Ça commence pas très bien pour faire 3 baffes. Et tu te soignes pas, toi, non? Ah, je suis à Tokyo. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Je suis bête. Oh là là. Oh, mince. J'ai encore 2 lancers, j'ai encore... Non. Ouh, il y en a qu'une. Ok. Dernier lancer. Oui, je sais. Vas-y. La victoire, tu sais. Si on fait 2... Yes! Oh, le jet nul en plus! Ah, le jet était vraiment à chier, si je puis me permettre. C'est vrai. J'ai gagné une énergie. Je vais mettre une petite baffe quand même. Bah, bien sûr, mais je vais la prendre avec plaisir. Hop, on tombe à 2. C'est à toi. Et là, et bah... on te montre 3 points. Là, fais des 3. Il faut faire des 3 là. Tout est possible jusqu'au bout. Oh, oh t'as gagné. Et la win! Attends, c'est pas la win. Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est rien. À ta place, il a une sonde. Je me permets rappeler. Oui, il peut me. Alors, à ta place, je relancerai pour tenter de trouver un autre truc. Ouais, c'est pas gagné. Combien t'as de points de vie, toi? 5. Non, il faut que tu relances tes baffes. Bravo. Oh non! Je veux faire le. Non, c'est fini. J'ai fait 3. Okay. Donc, même si tu relances un 3. Même si tu relances le 3. Bien sûr, regarde. Hop, c'est un 2. Et tu fais que 3 points à la place. Oui, mais ça y est, c'est 17, 18, 19, 20. Mais quelle victoire éclatante! Victoire au point de victoire! Sans acheter la moindre carte de manière le plus.
Recta possible. Franchement, c'est cool ce jeu. Normalement, t'as lancé des 3 et t'as... J'ai lancé des 3, quoi. J'ai vraiment lancé beaucoup de 3. C'était très cool. Moi, je te voyais. Parce qu'en fait, on a peur du mec qui est dans Tokyo et qui reste parce qu'il accumule des points. Ouais, mais en réalité, il ne se soigne pas. Ouais, et vous en accumulez. Enfin, moi, j'ai pas réussi à faire 3-3, 3-2, ouais, etc. Ouais. Du coup, j'ai pas pris tellement d'avance sur vous. Ouais, ça s'est joué quand même beaucoup au jet de dés. Mais il est très fun, il est très diversifié. Ouais. Et le fait de changer comme ça d'équipe, alors quand on joue à 4, 5, c'est super sympa de se dire bon, bah, un coup, on est ensemble, on a une cible, un coup, ça change, etc. Et puis, bah, c'est des paris qu'on fait sur nos dés. Et non, c'est très sympa. Non, c'est vraiment très, très chouette. Je le recommande. Je rappelle une fois de plus que ça s'appelle King of Tokyo. King of Tokyo, puisque le but, c'est d'être roi en son domaine. King of Tokyo de Richard Garfield, c'est édité chez Yellow et ouais, effectivement, c'est très très chouette. Merci beaucoup d'avoir participé à cette partie. Je vais probablement filer me choper cette boîte pour la maison parce qu'en fait, ce qui me faisait un tout petit peu flipper au début, c'était que j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de règles à assimiler, mais non, en fait, tout se fait très très bien. Alors vous pouvez... Je pense qu'effectivement, une fois qu'on connaît un petit peu les cartes à acheter, c'est cool parce que je suppose qu'il devait y en avoir qui combattent, puisque c'est Richard Garfield qui a fait le truc, donc je suppose que là, si t'en as 3 qui vont bien ensemble, tu peux devenir quand même assez fort. Puis on peut ajouter des cartes, on peut ajouter des petites choses parce qu'il y a les extensions à l'eau. On peut avoir des cartes costumes, voilà, tout est dedans. Oui, parce que là, c'est la Monster Box, donc en fait, on a tout. Mais évidemment, vous pouvez commencer avec la boîte de base. Entre autres, ça donne des spécificités à nos personnages. Je ne vais pas avoir exactement la même manière de jouer si je suis Cybercutting, Kitty, que si tu es un Pumping Jack, et il y a des petites subtilités sur ça qui font que le choix n'est plus seulement esthétique, mais aussi un peu stratégique dès le départ. Ok, et ben merci infiniment, une fois de plus. Je vais vous laisser débriefer la partie, face caméra. Juste vous rappeler que sur la chaîne Le Bon Nerd, il y a effectivement La Bonne Pioche, cette émission que vous regardez, mais il y a plein d'autres programmes. La Bonne Auberge, l'actuel play avec Lucien Maine et sa team, La Bonne Guerre avec Lucien Maine et moi souvent, mais d'autres personnes aussi, La Bonne Boîte, ouverture de boîte de jeux récente par Damien, La Bonne Figue, est-ce que j'en oublie, Le Bon Deck bien entendu avec PV Nova, comment oublier Le Bon Deck, donc bref, énormément de programmes depuis, je pense qu'il doit y avoir plus d'une centaine de vidéos depuis la création de la chaîne, donc n'hésitez pas un petit peu à fouiner si jamais vous êtes nouvelle ou nouveau, et puis sinon parlez-en autour de vous, pouce bleu, abonnement, vous connaissez la musique, merci infiniment et à très bientôt sur Le Bon Nerd. Ciao. Joe, il était très fort. Je pense qu'il a fait pas mal de bons choix. Il a eu pas mal de chance aussi quand même. Normalement, je devais l'atomiser en étant à Tokyo, en lui mettant des grosses baffes et j'ai pas réussi à le faire. Non, il a fait les bons choix, il a été bon et en même temps, ouais, c'est King of Tokyo, c'est cruel. Hein. Parfois, la vie se passe comme ça. Je pense qu'il a bénéficié de bons conseils et que son agressivité intérieure est ressortie.